Bon bah me voilà à Sharjah, aux Émirats Arabes Unis. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? La frontière, ça a été un peu une grosse galère parce qu'en fait le bateau que j'ai pris, c'est un bateau uniquement réservé aux Iraniens et les Émiratis détestent les Iraniens. Donc ça a été un peu la galère. J'ai attendu 4 heures dans le bateau. En plein cagnard, ça a été super difficile. Et si je suis aux Émirats, c'est pas pour faire du business, c'est tout simplement pour pouvoir récupérer mon visa pour l'Inde. Et c'est l'unique route maintenant pour les routards pour y accéder, tout simplement parce que la frontière avec le Pakistan a été fermée à cause de divers problèmes. Et je me promène aux Émirats. Donc ça change pas mal de l'Iran, c'est complètement différent, c'est surdéveloppé, c'est des bâtiments immenses, des mosquées immenses. Donc ça me change quand même plutôt pas mal, et puis c'est beaucoup plus cher surtout. Et ça c'est pas cool parce que j'ai à peu près 2 à 3 semaines d'attente pour avoir mon visa pour l'Inde. Donc je vais peut-être voir pour aller patienter dans le désert ou sur les plages, ou j'en sais trop rien, mais je vais tout faire pour économiser de l'argent le maximum. Bienvenue à Dubaï! Alors je suis dans un centre commercial, et vous n'allez pas me croire, mais il y a une piste de ski dedans. Juste là. Si ça c'est pas du n'importe quoi. Bon bah j'ai abandonné pour le visa indien parce que si on est obligé de passer par une agence, ça revient très très cher, le double du prix normal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un vol pour Katmandou au Népal. Ça me revient beaucoup moins cher et ensuite là-bas je verrai pour le visa indien. Parce qu'en plus si je le fais ici, il va falloir que j'attende 2 semaines et 2 semaines à Dubaï, j'ai vraiment pas assez d'argent pour faire ça. Et puis c'est pas du tout le genre de destination que vraiment moi je rêve. Donc Dubaï c'est vraiment pas génial, c'est juste des buildings et voilà, un endroit où il y a beaucoup d'argent et c'est tout quoi. C'est pas vraiment une destination de rêve pour un routard comme moi. Donc voilà, je vais prendre un vol direct pour Katmandou. Et là-bas, je verrai bien ce que je ferai exactement. J'aimerais bien aller faire un peu de trekking dans les montagnes sur l'Himalaya.
Je vais voir. The next station is Khalid bin Al-Walid. Bienvenue au Népal.